Je dirais, deuxième surprise. Vous savez que c'est moi le pasteur de cette église? Oui. Je suis toujours le pasteur de cette église. Amen. Amen. Et je voudrais que ça soit clair. Alors, très clair. Pour qu'il n'y ait plus de doute là-dessus. Quand je ne suis pas là, viens, frère. Le frère Papi Loussala sera le conducteur ici. Amen. Amen. Je vis son dévouement. Le simple fait, je lui avais dit, tu prêcheras demain. Il n'a pas dormi. Il n'a pas dormi. J'ai fait mes félicitations, je sors après une minute, il est toujours là. Il s'est ouvert en citation. Il aime le Seigneur. Voyons comment il va travailler. Moi, je n'ai vraiment pas besoin que le Seigneur me dise qu'il est serviteur de Dieu. Je le sais. Je le sais comment, quand j'avais entendu sa voix pour la première fois, chanter à, chez Maguel. Ah, mais je dis ça, c'est le serviteur de Dieu. Je ne l'ai pas dit, je t'avais dit ça. Hein? Tout ça va être ça, puisque moi, on a des mots spéciaux. Je vais te regarder, je te lis ta vie. Et je lui ai rien dit à Zabokilo Nagai, je voulais quand même cacher ça. Mais Dieu a prouvé par le travail qu'il est serviteur de Dieu. Écoutez-le. S'il fait quelque chose, quand je reviendrai, vous allez l'accuser. Mais sachez que il causera avec moi pour me dire voilà, voilà, voilà. Tu vois qu'a dit? Amen. Donc, le comité continue, dans le lien des administrateurs, il continue le travail. Et je vous annonce que ce vendredi, nous aurons le frère qui? Étienne. Hein? Étienne Nimilongo. Nimilongo, bon, c'est mon petit. Hein? À sa famille, il a vu, non? À qui chassez, il m'avait dit, viens, viens, il faut que je prêche, viens. Ça l'a été, ah, viens la caille. J'ai dit, ah bon? J'ai beaucoup d'enfants. Et je lui avais dit, tu vas prêcher. Est-ce que vous savez qu'il a prêché à qui chassez? Oui, il a prêché très bien. Pendant que j'étais là. Alors qu'il est pasteur depuis des années au Sénégal, dans quelle cité là? La capitale. Hein? Dakar. Il m'a toujours appelé, je suis jamais parti. Parce que Dakar, c'est presque comme l'Europe. Nala lingue, pas ima, il a dit sanité. Vanga. Allez à Vanga, vous allez prendre l'eau de la rivière Kouilou. Alors vous direz que vous êtes serviteur de Dieu. Qui a bien aidé à Vanga? Personne. Quand j'ai vu les gens boire de l'eau, j'ai dit, vous prenez l'eau, ça. Alors une fois, il me dit, mais c'est ça, non? Je dis, oh Seigneur, pardon. J'ai bu ça pendant un mois. Je suis encore vivant. Je remercie Dieu. Là où on était avec l'église, c'était où? Kaemba. Kaemba. À Kaemba, une femme, l'eau de Kaemba est déjà sale. Mais une femme sorcière va m'appeler à la maison pour que je mange. J'arrive. Ah papa, n'a pas si Mayoyomera. Maya Kamabanga. Qui connaît l'eau des Kamabanga? Toute noire. Et bien souvent la robe à 5. Nakaïma.
J'ai dit, elle a cité le nom de Dieu. Non, mais arrête. Et quand ça descend, vous sentez que vous avez pris le poisson. C'est arrivé à ce niveau. Aïe, aïe. À l'estomac, je sens que c'est à l'estomac. Je dis, Seigneur. Après, on l'avait chassé de l'église. Hein. Non pas à cause de moi. On avait découvert qu'elle était sorcière. Elle voulait me tuer. La nuit. Là, il fait tout noir. Hein. Quand vous sortez, oh le rôle, il y a le rôle. Et vous partez bien. Je suis vivant. Le travail de Dieu est un travail difficile. Si j'ai écrit mon livre, les gens vont acheter. Mais il faut travailler pour Dieu. Parce qu'au ciel, nous recevrons quelque chose. Pas ici sur la terre. Ici aussi, Dieu nous bénit. J'ai le fils ici, je suis content. C'est pas ça? C'est ça. Hein, maman, vous savez. Autant c'est que la terre. Alors. Quand je vous vois, nous vous voyons, nous sommes contents. Nous savons qu'il y aura une postérité. Mais travaillez pour Dieu, vraiment pour Dieu. Passe. Et aujourd'hui, il entre dans ce travail-là. Je lui imposerai la main quand je viendrai et que je vous trouverai que vous direz que Azam Salmala. Et tous les trois mois, je suis ici. Ou deux mois et demi, je serai ici. Je suis toujours votre pasteur. Amen. Mais je veux une progression, que vous allez de l'avant. Amen. Amen. Donc, le frère Nimilongo viendra prêcher le vendredi. Venez nombreux parce que vous avez déjà sauté mercredi. À Charlotte, mercredi c'est plein. Ils ont mercredi, vendredi et dimanche. Qui a déjà été à Charlotte? Maman, on fera des conventions, ils viendront ici, tout le monde. Vous verrez combien ils sont vraiment amoureux, ils vous aiment beaucoup. Et vous irez là-bas, vous allez partager vraiment cet amour-là que vous avez avec les frères. Comme nous, on l'a fait hier. Donc, vous devez vous aimer. Et c'est une bonne nouvelle, il prêchera la parole de Dieu, je serai là. Vous savez, quand quelqu'un d'autre me prêche, je suis content. Et ça va voir la Kimina Noa classe, on va lui congé. Ça, c'est le madame qui l'a dit. On va lui congé, aïe, on sait plus où aider. Aujourd'hui, c'est un jour de congé. Il n'y aura pas de. Les enfants sont frustrés de quoi? Quand il y a congé, il n'y aura pas de quoi? Hein, Vivi? Il n'y aura pas de quoi? Homework. Holiday. Oh, yeah. I love vacation. Ah. Tu aimes ça? Oui, oui. Moi, j'aime ça aussi. Il n'y a pas de devoirs à domicile. Vous dormez un peu très bien. Donc, je serai en congé pour écouter un puissant prédicateur, Nimilongo. Alors, frère Mali vient. Je vous annonce la venue de frère Mali. Il voulait à tout prix venir. Il m'a même dit, je veux payer mon billet moi-même. J'ai dit, ah papa, attends, Azagi Bobambo. Moi, je vais te payer le billet, papa. Alors, il fera une semaine à Charlotte et deux semaines à Dallas. Puis il ne viendra que pour trois semaines. Et le Mali sera ici jusqu'à janvier à peu près. Depuis janvier. Il rentre quand? Le 10, c'est qu'il sera ici à janvier. Et vous aurez la sainte scène. Il a déjà fait la sainte scène ici. Et vous aurez la sainte scène. Et c'est lui qui fera renouveler le mandat. Pas moi, parce que moi je ne serai pas là. Donc je reviendrai. J'ai campagne à. Où c'est? En Israël, c'est ça qui va me retarder un peu.
On va appeler les gens et je ferai une campagne en Israël, je prêcherai en Israël. Donc, après Israël, je crois que je vais lever les témoins ici. Donc, on m'a dit, mais pourquoi tu ne m'avais pas dit? Pourquoi tu ne m'avais pas dit que Dieu t'avait béni? Il y a une soeur qui a dit ça. Pour les... Comment on appelle ça? Les trophées. Cette année, Dieu m'a réellement béni. J'ai eu beaucoup de trophées. J'ai un trophée que j'ai amené ici, c'est chez moi là-bas, dans mon sac, je crois, là-bas, de meilleur prédicateur ou évangéliste. Je ne connais même pas ces gens-là. Et j'ai trois trophées de comment ils s'appellent? De Hongrois. Ils m'ont donné pour chaque année meilleur évangéliste, meilleur. Trois trophées. Applaudissements pour le Seigneur. Là, c'est ça de blanc. Si vous allez dans notre site, vous trouverez comment on m'a donné ces trophées-là. Ce sont des blancs. Ils sont venus à l'église. Moi, j'ai pensé qu'on a prêché. Il n'y a pas de frère Berthet ici pour amener ces blancs ici. Ce Berthet est vraiment derrière la vie. Alors, ils sont venus pour me donner le trophée. Ils avaient un livre avec mes photos, avec tout ce que je fais. Quand vous faites quelque chose, Dieu va vous récompenser. Amen. Comment ces blancs-là ont trouvé à moi quelque chose, je ne sais pas. Ils ont dit, chaque année quand on vient, toi tu es aux États-Unis. Cette fois-ci, reviens vite, parce qu'on te donnera le quatrième trophée. C'est le trophée de citoyen ou quoi. Comment on appelle ça là? De la paix. Ambassadeur de la paix. Là, j'aurai ça au mois de décembre. C'est pour ça que je quitte le 5 décembre. Le 7, déjà, je crois, on va me remettre ça. 4 trophées en une année seulement pour les emplois, c'est beaucoup. Acclamez très fort le Seigneur. J'ai reçu encore le trophée. Ça a été donné par l'ambassadeur de France. Vous avez déjà vu ça? Comment ça? Je crois qu'on t'a envoyé ça. Ouais. Vous verrez comment on m'a donné. C'est passé dans le monde entier. Donc, il faut qu'on m'a appelé. Il dit, je suis en train de suivre ça chez eux, là, à Pointe-Noire. Parce qu'il y avait beaucoup de ministres congolais de Brazza et beaucoup de ministres congolais de Kinshasa. Ils avaient donné au recteur de Kinshasa. Et moi, j'ai reçu ça. Donc, j'étais l'unique personne qui avait reçu le trophée de meilleur serviteur de Dieu. Donc, pour l'année ici, j'ai eu l'honneur que ce soit l'ambassadeur de France qui m'avait donné ça. Acclamez très fort le Seigneur. Alors, ceux qui m'ont donné le trophée, c'est Diplomatica. Et ils m'ont mis dans leur revue. Tu as vu la revue? Non, je l'ai amené. Et vous verrez votre pasteur vraiment honoré. Mais je pense que c'est vous qui êtes honoré. Je souviens de tous, ce sont vos prières qui m'ont accompagné, qui continuent à m'accompagner. Continuez à prier pour moi. Et j'avais dit à ces gens-là, les blancs-là, que je ne mérite vraiment pas ça. Je pense que c'est cette église et les gens qui prient pour moi, qui ont fait de moi ce que je suis. Si vous n'avez personne dans votre église qui vous aime, comment est-ce que vous aurez ces trophées-là? Vous devez avoir des gens qui vous écoutent, qui vous aiment, et quand on vous donne les trophées, ça fait leur fierté. Que je sois votre fierté. Amen. Et que je sois toujours humble. Vraiment, c'est que Dieu m'a élevé. Dieu m'a élevé, je le remercie. Avec, il a fait 5 trophées. En une année, ou 6 trophées en une année, c'est beaucoup. Que Dieu reçoive toute la gloire. Nous ne sommes que des êtres humains. Mais il a dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Je remercie Dieu pour cette petite élévation. Et je pense que je ferai encore mieux pour mon Dieu, pour qu'il soit content et qu'il ne m'abandonne pas. Amen. Ok, je crois que je termine.